Normalement, aujourd'hui, c'est le dernier jour de travail, mais bon, je dois encore enregistrer jusqu'à demain. C'est ça qui est ça, oh. Tu as dit que non. Ah, tu veux travailler? Faut travailler. Faut travailler, c'est ça qui est ça. Oh. Tu as payé tes factures. Donc, pour commencer à me maquiller, je vais prendre ma poudre illuminatrice de chez Laura Mercier, la teinte Medium Deep. C'est bien coloré, c'est très beau. Je le fais maintenant à chaque fois avant de commencer à me maquiller parce que j'adore la façon dont mon fond de teint réagit au fil de la journée grâce à cet illuminateur en poudre que j'ai en bas. Vous savez que j'adore mettre les illuminateurs avant de commencer à me maquiller. J'utilise beaucoup d'illuminateurs en bas de mon fond de teint parce que tout au long de la journée, ça fait... Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait c'est un éclat lumineux de mon fond de teint tout au long de la journée et j'adore ce cet effet là. Donc je vais prendre mon éponge, je vais déposer légèrement. C'est maintenant comme ça que je fais. Avant je prenais directement avec les doigts. Après je me suis dit non, il faut prendre l'éponge, déposer d'abord sur le visage et puis après je vais et voici. Maintenant je prends mes doigts et je masse à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait l'entretien de la peau, donc je vais masser. Voilà. Là j'ai pas mis de primer, mais vous pouvez mettre un primer. Mais bon, comme j'ai déjà bien peint ma peau, ouais, là ma peau elle est toute dorée. Waouh, waouh, elle est vraiment dorée, elle est vraiment belle. J'adore le résultat, j'adore l'effet que ça fait. Bon, vous voyez l'effet que ça fait. Ça fait déjà. C'est déjà lumineux, c'est ouf, c'est un truc de ouf, un vrai truc de malade. Franchement, les produits de Laura Mercier sont de très bonne qualité. Je dois essayer son sérum, hein. son sérum. Donc, ok, voilà, j'ai déjà bien déposé. Non, mon visage est déjà tout doré. Normalement, je peux m'arrêter là, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. J'aime le full beat. C'est ça qui est ça. Donc, je vais prendre mon fond de teint de chez Huda Beauty. J'ai reçu cette cuillère parce que j'ai commandé la nourriture en ligne et puis ils m'ont donné cette cuillère. En fait, ce sont des cuillères qu'ils mettent dans les paquets. Parce que, des fois, ce sont les chopsticks avec lesquels les Chinois mangent, des fois on donne les cuillères. Donc à chaque fois que tu commandes, on te donne les cuillères. Donc j'ai pris cette cuillère pour en faire un ustensile pour mon maquillage, faire mes sauces. Donc voilà, je vais mettre deux pompes de mon fond de teint de chez Huda Beauty. J'utilise la teinte 530R que je vais mélanger avec mon skin fétiche. Le fond de teint de chez Pat McGrath et c'est la teinte Deep 33. La teinte Deep 33. Pourquoi? Parce que le fond de teint de chez Huda Beauty, il est très mat et celui de Pat McGrath, il n'est pas très mat et ça me permet d'avoir d'avoir une autre formule. Voilà, c'est ça qui est ça. Maintenant, j'ai pris mon éponge pour enlever tout excès, donc l'éponge va absorber l'excédent et puis uniformiser l'application du fond de teint sur tout le visage. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais je trouve que ça permet de tout mettre au même niveau, quoi. Donc voilà. Donc le fond de teint s'est déjà mélangé à l'illuminateur doré que j'ai mis en bas. Et vous pouvez voir comment ma peau elle est toute dorée. C'est trop beau. Oh,
quand je prends les photos avec mes filtres que j'aime mettre. C'est trop beau. Bon, maintenant il est temps de passer au contour parce que vous savez que là, il faut être snatched. Snatched. Donc voilà, on le fait un peu le surplus. Et quand je porte mes cheveux en chignon, je mets aussi un peu derrière les oreilles parce que, voilà, les gens vont voir. Bref, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais bon, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme résultat. Pour moi, je trouve ça normal parce que je vous dis, voilà. C'est ça qui est ça, quoi. Donc, je vais prendre mon contour de chez Huda Beauty. C'est le 10-2. C'est la teinte 10. Si c'est comme ça que ça se présente, je vais prendre ma brosse. Cette brosse est devenue ma brosse préférée pour faire le contour. Donc je vais la pincer comme ça. Puis prendre le contour. Et pour le nez, je vais prendre cette petite brosse. Je vais prendre mon contour, bien sûr. Pour les poser, parce que le nez, juste pour faire genre, j'ai un petit nez. Alors que je n'ai pas un petit nez. Je suis fière de mon nez de noir. Mais bon, c'est juste le make-up. Nothing deep. Maintenant, il est temps de passer à l'illuminateur. Et pour avant de commencer à illuminer, je vais prendre mon correcteur de chez Marc Jacob, la teinte Deep 50 et Accompli. C'est un très bon correcteur. Franchement, très 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 bon correcteur. Il est un peu rouge. Je sais que ça se voit pas à l'écran. Il est un peu rouge. Ça me sert de couleur correcteur. Je mets ici parce que je sais que tout au long de la journée, que j'ai le masque, le fond de teint a l'habitude de bouger ici. Donc je mets un correcteur en crème d'abord pour neutraliser cette partie. Et ici, bien sûr, c'est parce qu'on mange tout au long de la journée. Donc voilà. Je vais estomper avec mon éponge. Alors maintenant pour illuminer, je vais utiliser mon correcteur de chez Huda Beauty. C'est la teinte, le Overachiever Concealer, c'est la teinte Peanut Butter. C'est vraiment pour illuminer, j'ai mis dans ma petite cuillère. C'est une petite cuillère, c'est pas petit. Et je vais prendre avec mon éponge pour les poser. Parce que je veux vraiment le bas des yeux. Waouh. Je veux vraiment illuminer, mais c'est vraiment illuminateur. Waouh, ça fait snatched.
C'est là qu'il y a ça, oh, c'est ça. Qu'est-ce ça? Normalement, ce soir, je vais manger avec une amie chinoise. Donc, je serai tout illuminée. Parce que des fois, quand vous allez manger au restaurant, c'est juste la partie où vous êtes là. Il n'y a pas trop de lumière dans le restaurant. C'est juste la partie où vous mangez là, qui est illuminée, des jolies petites lumières, genre classe là. Ouf! Elle va me dire que attends, mes copes, il est toujours beau. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu utilises? C'est la magie, la soeur. C'est la magie. C'est ça qui est ça. Oh. C'est ça qui est ça. Je suis maintenant satisfaite avec la façon dont j'ai estompé. Avant de mettre la poudre de chez Kunafa, la poudre illuminatrice. Voilà, Kunafa de Huda Beauty, toujours. Je vais d'abord mettre mon blush en crème. Et bien sûr, je vais utiliser ma cuillère. Franchement, depuis que j'ai eu l'idée d'utiliser cette cuillère-là, je ne m'en sais pas plus. C'est trop bien. Moi, je me suis retrouvée avec beaucoup de cuillères et tout et tout. On peut commander la nourriture maintenant. Et voilà. Donc, je dépose et je vais estomper avec bien sûr mon étage. Pour que ça puisse être bien. Vous devez mettre le blush en crème avant de poser. Tous les produits liquides, vous les mettez d'abord avant de mettre les poudres. Après, au-dessus, vous allez mettre les poudres. En fait, normalement, c'est comme ça. Pour que ça tienne mieux, quoi. Donc voilà, j'ai posé mon visage avec la poudre de chez Huda Beauty. Et pour bec, j'ai mis la poudre de Laura Mercier, la teinte Honey. Mais non, bon, j'avais l'intention d'utiliser ColourPop. Attends. Ça, j'avais l'intention d'utiliser ColourPop Love a Flare et puis il y a six couleurs là. J'adore le vert là. Le vert c'est ma couleur préférée. Le rouge, j'adore aussi le rouge. En fait, toutes ces couleurs sont tellement belles. Je vous laisse aujourd'hui, mais je n'ai pas envie d'être trop extravagante parce que le soir, si je dois sortir, parce que je dois sortir. Ce soir, j'ai pas envie de prendre trop de temps à me démaquiller. Donc, je vais faire ça prochainement. Je vais faire un look de tout. Ce que je vais faire, c'est prendre ma palette Amrezy en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Et je vais prendre la couleur Simsa. Cette jolie couleur purple. Et je vais les poser sur toute la paupière mobile. Vers le bas pour bien voir toute ma paupière rapidement. Attendez, je vais regarder l'heure. Il est déjà 7h36. Oulala. Ouais, j'ai pas le temps de faire toutes ces histoires extravagantes. Je dépose une seule couleur et c'est bon. Donc, je dépose cette couleur sur toute ma paupière mobile. Ok, maintenant je vais prendre ma palette de ZZC en collaboration avec le British Museum et une très belle couleur dorée, celle-là, que je vais juste déposer sur le top, juste pour illuminer. Voilà, c'est comme ça que je fais quand je vais aller très vite, mais pour avoir des paupières toujours dorées. Je peux pas bien arriver à l'intérieur de l'œil à cause de mon ongle, mais c'est ok. Je reprends ma broche, je viens l'estomper.
Donc je vais mettre le bleu ici en bas et puis je reviens pour finir le reste du visage. Ok, maintenant je vais prendre mon contour en poudre de chez Fenty Beauty, la teinte Mocha Mami. Maintenant que j'ai fini mes yeux, vite vite, faut que je me dépêche. Donc je fais mon contour avec la même broche que j'ai utilisée pour faire le contour en crème. Que voilà, ça accentue un peu. Ouais, je laisse quand même bec pendant longtemps, le temps de faire mes yeux, tout ça. J'aime vraiment beaucoup quand c'est bien illuminé sous mes yeux. Alors, je t'entends un peu de contour. Maintenant, je vais prendre mon blush de chez Kat Von D. Oh, j'adore ce blush, cette couleur-là. Trop beau. Oh, trop beau. Très beau blush. Je le mélange bien sûr avec le contour, tout ça, pour que ça soit pas trop extravagant. Et voilà. Maintenant, je vais prendre. Maintenant, je vais prendre cette brush. Donc à cette étape, je vais prendre mon spray de chez Urban Decay pour poser d'abord une fois avant de mettre l'illuminateur. Maintenant je vais prendre ma palette illuminatrice de chez Bobbi Brown pour illuminer. C'est ça qui est ça. Ouh là là. C'est ça qui est ça. Un peu sur le bout de mon nez. C'est ça qui est ça, les amis. C'est ça qui est ça. Ok, je vais bien faire pénétrer avec mon éponge, que tout soit uniforme. Et voilà. Ok, il est temps de passer au contour des lèvres. Maintenant je vais faire le contour des lèvres avec bien sûr mon stick de rouge à lèvres de chez Bite Beauty. C'est mon préféré, donc voilà. Je vais pousser les lèvres comme ça. Et voilà. J'aime dessiner un peu au-dessus de mes lèvres parce que j'ai les petites lèvres comme vous le remarquez déjà. Et... Donc voilà chers amis, j'ai fini de me maquiller. Au milieu j'ai mis mon lipstick de chez Kylie Cosmetics. Vous savez que voilà, c'est un de mes nudes préférés. Donc voilà comment je me maquille pour aller au travail. C'est ma routine un peu update, up to date. Voilà, ça va encore changer parce que je sais qu'on évolue. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent. Et voilà, et puis je vais essayer de faire un peu plus de tutoriels. Voilà, avec tout ce que je reçois et tout, au fur et à mesure. Parce que vous savez, en même temps, je travaille. En même temps, il faut faire ça, il faut faire YouTube. C'est pas facile, il faut beaucoup être organisé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'oubliez pas de les laisser sur la barre de commentaires en bas. Et puis voilà, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir les amis.